Voici le guide complet des défis récits de l'oracle sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à l'oracle. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a 4 emplacements bien précis où vous allez pouvoir trouver un bassin divinatoire. Donc vous allez devoir vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite vous allez devoir parler au bassin tout simplement. Donc regardez, là je vais près du bassin, je lui parle, je continue la conversation et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le premier défi. Le prochain défi va vous demander de réussir l'épreuve d'agilité à Restored Rails. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre au-dessus de Restored Rails. Et juste ici, dans ce petit bâtiment-là, vous avez une épreuve que vous allez devoir accepter en appuyant sur carré. Donc vous acceptez, là vous allez avoir des ronds qui vont apparaître, vous allez devoir passer à travers les ronds et tout simplement les suivre comme je suis en train de le faire. Franchement, le chemin est assez facile à faire, vous avez juste à suivre les ronds. Et dès que vous aurez traversé tous les ronds en moins de 1 minute plus ou moins, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir l'épreuve de force à Lavishler ou Fenzingfield. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Lavishler, donc qui est juste ici en haut, ou soit à la Fenzingfield, donc qui est juste ici. Et là, à cet emplacement-là, vous aurez un chrono que vous allez devoir activer. Et quand vous l'aurez activé, vous allez devoir détruire des structures en moins de 1 minute. Vous allez devoir détruire 15 structures au total. Vous détruisez par exemple un parasol, une table, une chaise, un mur, un sol, tout ce que vous pouvez détruire, vous le détruisez. Et dès que vous aurez réussi à détruire 15 structures en moins de 1 minute, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir l'épreuve de sagesse à un bassin divinatoire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir rejoindre les bassins divinatoires que je vous ai présentés en début de vidéo. Et ensuite, quand vous y êtes, vous parlez au bassin. Et là, vous faites continuer. Oh, attends, il va me proposer un truc, on va regarder. Continuer. Donc là, il me demande pizza, banane ou Dor Burger. Quelle est la nourriture préférée des dieux? Pour moi, ce serait des bananes. Beau travail, let's go. En fait, il fallait répondre tout simplement des bananes. Et dès que vous aurez répondu des bananes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'envoyer un message à Hadès en éliminant des adversaires. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez juste à éliminer un total de 15 adversaires. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à Hadès. Donc vous vous rendez à un bassin, ensuite vous parlez au bassin. Hein. Vous parlez à Hadès, vous continuez la conversation et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir un fusil à pompe gardien, puis visiter Grimgate. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à côté de Fenzingfield. Dans cette petite ville-là, il y a un personnage qui va vous vendre justement le fusil à pompe gardien. Donc vous parlez à ce personnage-là, vous lui achetez, pour 300 lingots d'or. Après, si vous voulez, vous pouvez le trouver aussi dans des coffres posés au sol, dans des coffres Fortnite ou posés au sol comme ça, sur la map. Mais si vous ne voulez pas chercher le pompe, vous allez directement l'acheter à ce personnage-là. Et ensuite, quand vous avez ce personnage-là, ce pompe-là plutôt, vous allez devoir vous rendre à Grimgate, qui est juste ici sur le gameplay. Donc voilà, dès que vous aurez rejoint Grimgate avec votre fusil à pompe gardien, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à Cerber pour affirmer votre dominance. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à Grimgate, donc au pied d'Estal, et là vous allez devoir casser la statue pour défier le dieu Cerber. Donc ensuite, là vous allez devoir tuer d'abord les chiens, vous tuez tous les chiens pour faire apparaître Cerber. Voilà, quand vous aurez tué tous les chiens, là Cerber va apparaître et vous allez devoir infliger 152 dégâts au boss Cerber pour terminer le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de battre un personnage en duel ou d'éliminer un dieu. Alors les dieux, il y en a 4 au total. Ce sont les dieux qui sont représentés par le piédestal qui est juste ici. Il y en a un à Grimgate, aux Enfers, au Mont Olympe et à Battleground. Donc si vous voulez réaliser le défi, vous pouvez éliminer un dieu. Ou si vous avez de la difficulté à éliminer un dieu, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à un personnage un duel. Donc vous allez parler au personnage par exemple qui se trouve à Snooty Step ou à Rebel Roost ou même à côté de Classicourt. Vous parlez à l'un de ces 3 personnages là et vous le provoquez en duel. Ensuite vous l'éliminez et si vous réussissez à l'éliminer, vous aurez terminé le défi.
Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer d'aller éliminer le boss Cerber avec le peu de munitions que j'ai. On va voir si ça passe. Ok, au final, j'aurais réussi à l'éliminer. Et donc là, maintenant, par exemple, j'ai terminé le défi parce que j'ai réussi à éliminer un jeu. Dès que vous aurez éliminé un jeu ou alors un personnage en duel, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à Arès. Donc, vous vous rendez à l'un des 4 emplacements des bassins. Ensuite, vous parlez au bassin et vous parlez à Arès. Et dès que vous aurez parlé au personnage, Et dès que vous aurez terminé le dialogue du bassin, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir un fusil d'assaut guerrier, puis visiter le passage du Panthéon. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le fusil d'assaut guerrier. Donc c'est celui-ci. Et pour le trouver, moi ce que je vous conseille, c'est soit de vous rendre juste ici à Ringless Railway. Donc vous vous rendez juste ici et vous achetez le fusil d'assaut guerrier au personnage contre 300 lingots d'or. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est le trouver tout simplement par terre, posé au sol sur Fortnite, ou alors dans des coffres. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à le chercher, vous parlez au personnage qui se trouve juste ici. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre au passage du Panthéon. Donc le passage du Panthéon, normalement, ça se trouve plus ou moins par ici. On va aller voir et je vais vous montrer l'emplacement exact. Alors logiquement, le passage du Panthéon, il se trouve juste ici exactement, à cet emplacement-là. Donc on va aller voir hein, parce que là j'y arrive seulement et je ne sais pas vraiment c'est quoi. Donc regardez, j'ai juste visité le lieu et ça m'a validé le défi. Donc peut-être que c'est par rapport... Ouais, peut-être que c'est par rapport à ce bâtiment-là, à cet arc-là et peut-être que c'est le passage du Panthéon. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là avec l'arme en question. Et bien entendu, vous devez vous équiper du fusil d'assaut guerrier pour vous rendre à cet emplacement et terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à Arès. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à Arès pour déclarer la guerre aux dieux. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Battleground, juste ici sur le gameplay, et là détruire la statue, comme ceci. Et là, vous allez devoir tuer les sbires avant de faire apparaître Arès. Donc là, vous tuez tous les bots qui vont apparaître. Et dès que vous aurez tué tous les bots, là, Arès va apparaître. Et ce que vous allez devoir faire quand Arès apparaît, c'est tout simplement lui infliger un total de 152 dégâts. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'obtention d'un souffle divin. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre aux emplacements où il y a des dieux. Donc par exemple, à Battleground, donc juste ici, au Mont Olympe, juste ici, ou alors à Grimgate, qui se trouve en haut à gauche de la map, ou alors aux Enfers. À ces emplacements-là, vous allez devoir interagir avec le piédestal pour détruire une statue et faire apparaître un dieu. Et à ce moment-là, quand le dieu apparaît, là, vous allez devoir l'éliminer. Et quand vous allez l'éliminer, vous allez obtenir en fait le souffle divin de cette personnage-là, de ce dieu. Donc en fait, le souffle divin, c'est tout simplement son médaillon. Donc regardez, là, je vais le tuer. Hop, je récupère son médaillon qui apparaît. Et dès que vous aurez récupéré son médaillon, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Après, si vous avez de la difficulté à éliminer un dieu, vous n'êtes même pas obligé de l'éliminer. Ce que vous faites, c'est que vous activez le combat du dieu. Ensuite, vous ne l'attaquez pas et vous prenez votre distance. À un moment donné, la zone va arriver sur le boss. Elle va tout simplement le tuer à votre place. Et dès que le boss est mort par la zone, là vous allez tout simplement récupérer le médaillon qui est en hors zone avec un kit de soins pour être sûr de ne pas mourir sur le chemin. Et dès que vous aurez réussi à récupérer son médaillon, là vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'utiliser un bassin divinatoire pour parler à l'oracle. Donc là, comme les autres défis, vous allez devoir vous rendre à un bassin et parler au bassin pour communiquer avec l'oracle. Et dès que vous aurez communiqué avec l'oracle, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.